Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé ce matin, nous avons le privilège d'accueillir l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti en fin de mission, et son rapport sur la situation des droits de l'homme sera présenté avant la fin de ce mois, avant la fin du mois de mars. Il est avec nous et avec lui, on va essayer de savoir ou encore de comprendre ou d'apprendre ce qu'il a trouvé en termes de respect ou de violation des droits de l'homme en Haïti. Monsieur Galland, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. C'est moi, merci, Monsieur Tesor. Monsieur Galland, en quoi consiste le travail d'un expert des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti? Vous êtes venu pour rencontrer les responsables, pour chercher à comprendre ce qui se passe, si les droits de l'homme sont violés ou respectés? C'est une activité de coopération des Nations Unies avec Haïti. C'est un mandat qui a été créé depuis l'année 1987. Et un expert indépendant, et anciennement c'était un rapporteur spécial, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire des Nations Unies, je ne suis pas payé pour les Nations Unies, mais quelqu'un qui est appelé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est l'instance la plus haute en matière des droits humains au niveau universel, quelqu'un qui est appelé par le Conseil des droits de l'homme pour observer la situation du pays, formuler des recommandations aux autorités et au Conseil et préparer un rapport pour être présenté au Conseil chaque année. Alors moi j'ai été nommé il y a 3 ans et demi, on a renouvelé les mon mandat année par année et j'ai présenté 3 rapports au Conseil et celui-là va être mon 4e rapport, je vais le présenter dans 10 jours, le 21 mars. Et cette semaine de mars sera renouveler, c'est à considérer le renouvellement du mandat pour continuer à faire ça et à travailler avec les autorités et la population haïtienne dans le but de contribuer à améliorer la situation des droits humains dans le pays. Vous avez parlé, en fait, lors de la conférence de presse que vous avez donnée hier, M. Galland, vous avez fait état de la situation carcérale en Haïti, vous avez parlé des élections. Le seul point positif, si je peux parler ainsi, vous avez parlé aussi de l'analphabétisme, entre autres. Si vous comparez le rapport que vous allez soumettre bientôt au Conseil des Nations Unies, est-ce qu'il y a progrès? Parce que vous avez déjà produit 3 rapports, ce sera le 4e bientôt. Est-ce qu'il y a progrès? Vous avez mentionné 3 des 5 domaines. Où j'ai focalisé les observations de la situation du pays. Depuis le début, et à partir de l'analyse que mes prédécesseurs avaient faite aussi, et de l'observation que j'ai faite moi-même, j'ai identifié 5 domaines dans lesquels il y a des violations très graves, parce qu'elles se produisent chaque jour, chaque instant, je dirais. Et j'ai recommandé aux autorités de prendre des mesures urgentes pour corriger ces aspects, parce qu'elles touchent tellement à une quantité énorme de la population, comme je viens de le dire tous les jours, qu'elles méritent d'être traitées de façon urgente. Mmh. Je me réfère là, dans un premier domaine, au sujet des droits sociaux, économiques et culturels, mais surtout l'analphabétisme. Mmh. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui ne savent pas lire ni écrire. Et c'est un problème tellement grand. Vous avez une idée du pourcentage des gens qui ne savent pas lire ni écrire? Il y a la moitié de la population adulte et 30% du total de la population. Ce sont les données de l'UNESCO. Et c'est tellement grand le problème que beaucoup de gens, aussi bien ici qu'à l'extérieur, se sont habitués à considérer ça normal. Et alors j'ai insisté aux gens, aux autorités et à la population dans son ensemble, je les ai invités à voir que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir ce taux d'analphabétisme et qu'il faut faire des efforts
Et ces efforts ne coûteraient pas beaucoup si on mène une campagne de solidarité avec l'appui surtout de la jeunesse et du reste de la population alphabète pour faire apprendre lire et écrire aux gens qui ne savent pas le faire. Et ce serait pas seulement quelque chose qu'on doit faire du point de vue des droits humains, mais aussi c'est une contribution au développement économique et social du pays. Ça aurait des avantages partout. Et aussi, ce serait une campagne de solidarité entre les gens, très importante dans une société aussi polarisée que la société haïtienne. Il y a aussi un autre problème très gros, c'est celui des détentions. La situation dans les prisons est terrible, mais surtout, j'ai mis l'accent sur la détention provisoire prolongée. Non, mais juste avant, M. Gallonnet, excusez-moi. Mais les recommandations que vous avez faites en ce qui concerne l'analphabétisme vont dans le sens d'une nécessité qu'il y ait de la solidarité entre qui et qui ? D'une nécessité qu'il y ait une campagne urgente, extraordinaire, parce qu'on a fait des campagnes. Il y a 2 ans, il y avait une campagne pour alphabétiser 450 000 personnes. C'est bien. Mais il faut faire des efforts plus puissants. Okay. Parce que pour combattre l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court. Et je trouvais aussi qu'il y avait, avant l'année 2010, un plan d'éducation 2010-2015 dont l'un des buts était d'éradiquer l'analphabétisme dans un délai de 5 ans, en 2015. Après, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu un changement de gouvernement, etc. Et alors, on a oublié ce plan. L'une de mes recommandations, c'est d'inviter les autorités et les autorités qui commencent maintenant une nouvelle période présidentielle et gouvernementale à reprendre ce plan. Il y a des études, il y a des analyses, il y a des méthodes, etc. là, qui peut être mise en place maintenant. La situation carcérale, détention préventive prolongée, d'aucuns parlent de plaies, d'autres de cancer pour Haïti. Vous en avez fait le constat aussi. Et vos recommandations vont dans quel sens ? Bien sûr, bien sûr. Non, la situation est pénible. Vraiment, les prisons, la plupart des prisons dans le pays montrent une situation inhumaine, et cruelle et dégradante. Il y a trop de gens dans les prisons. Les prisons ont une capacité au maximum pour 3000 personnes. Et il abrite environ 10 500, quelquefois 11 000, il y a en ce moment 10 500. Alors il y a un taux de surpopulation très grand, énorme, en moyenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des gens qui sont en prison sont en situation de détention préventive prolongée. En moyenne, 70% des prisonniers sont dans cette situation, c'est-à-dire environ 8 000 personnes. Alors si on pouvait enlever ces 8 000 personnes des prisons, la situation des prisons serait plus ou moins normale, parce qu'il n'y aurait que 3 000 personnes. Bien sûr, pas toutes ces personnes qui sont détenues devraient être libérées, mais beaucoup d'entre elles, parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas jamais été entendues, elles ont passé en prison beaucoup plus de temps de celui qu'il devrait le faire s'il serait jugé et condamné. Et moi, je trouvais pas mal de gens dans ces conditions. Alors, il faut agir vite. Et heureusement, il y a beaucoup plus de sensibilité maintenant qu'avant. Avec le gouvernement précédent, avec des ministres de la justice, on a parlé, on a vu qu'il y a une préoccupation. Le gouvernement précédent de M. Privert avait créé une commission pour s'occuper du problème. Malheureusement, ils n'ont pas reçu de ressources économiques pour développer leur action. La commission a commencé en septembre. Alors, certains membres, 7 membres des 9 membres de la commission, ont décidé de développer certaines activités. Et comme ça, ils ont pu arriver à libérer une centaine de personnes. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas proportionnel à la gravité du problème, mais c'est important, c'est un effort
qui a été fait par ces gens, par les membres de la commission. Ils ont travaillé surtout sur trois prisons, Croix de Bouquet, de pénitencier national et Petit Grave, avec les commissaires du gouvernement, et ont réussi à faire ça. Malheureusement, comme je l'ai dit, ils n'ont pas eu de ressources. Le nouveau président a nommé une nouvelle commission qui va s'occuper pas seulement de la détention préventive prolongée, mais d'autres problèmes des prisons. Il faut espérer que cette nouvelle commission puisse avoir accès aux connaissances de l'ancienne commission et puisse développer un travail dans ce sens. Mais en tout cas, il faut prendre des mesures urgentes et j'invite les juges, j'invite la population entière à visiter les prisons. Vous avez rencontré les juges ou encore des juges? Oui, j'ai rencontré les juges, je me suis réuni hier avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et on en a parlé. On est curieux de savoir ce qu'ils vous ont dit, d'autant qu'à vous entendre parler, et selon les informations disponibles, on est en train d'imputer la responsabilité, pas au centre carcéral, mais au système judiciaire haïtien. Qu'est-ce que les juges vous ont dit? Bien sûr, la responsabilité n'est pas essentiellement au centre carcéral. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Il y a la responsabilité des juges, la responsabilité des juges qui n'entendent pas les personnes détenues, qui ne font pas leur travail, certains juges, pas tous. Il y a la responsabilité du pouvoir judiciaire qui n'agit pas opportunément pour prendre des décisions là-dessus. Mais est-ce qu'ils ont dit pourquoi? Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Il y a beaucoup de facteurs, c'est pas facile à les expliquer dans quelques minutes, mais en général, il y a beaucoup de complications dans les régulations légales de ça. Il y a un carrefour de compétences entre le gouvernement, le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il faut agir ensemble et ce n'est pas le cas tout le temps. Alors, par exemple, en ce qui concerne la fonction disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire présente une proposition au gouvernement, le gouvernement doit prendre des mesures, et alors ils disent que c'est la faute à l'autre, et le gouvernement dit qu'il n'a pas reçu de l'information suffisante de la part du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Et ça, c'est une affaire, disons, compliquée, sur laquelle je n'ai pas insisté jusqu'à présent encore, parce que il faudrait prendre des mesures plus précises pour libérer les gens. Et même sans modifier ce système, on a eu ces petits résultats que je mentionnais de la commission, et je dois mentionner aussi l'activité qu'a développée la ministre de la Condition féminine, qui s'est préoccupée de la situation des femmes dans les prisons et a réussi à faire libérer, ensemble avec le ministre de la Justice, à faire libérer 184 personnes, 184 femmes qui étaient en situation de détention préventive prolongée. Mais est-ce que ça suffit pour parler d'avancée? Ça suffit, non, ça ne suffit pas pour résoudre le problème, mais il faut apprécier comment, quand il y a de la volonté, on peut avancer, même sans ressources. Et s'il y avait beaucoup plus de personnes, comme la ministre de la Condition féminine, ou comme ces membres de la commission, qui pouvaient agir là-dessus, on aurait beaucoup plus de résultats. Alors s'il y a le gouvernement, le centre du gouvernement, qui se préoccupe de faire ça, je suis certain qu'on aura des résultats. Et c'est pour ça que je mentionne ces exemples. Oh, ok. Nous allons observer la pause. Au retour, je reviendrai quand même avec cette question que je vous ai posée au début de l'interview. Quand je vous ai dit, si vous comparez les observations que vous faites aujourd'hui à celles que vous avez faites au début ou encore tout de suite après votre désignation comme expert des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Haïti, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des progrès? Certes. En ce qui concerne les élections, vous estimez qu'il y a quand même
des efforts qui ont été faits, même si la participation de la population demeure faible. Il y a une femme élue. Est-ce qu'on peut parler de... On peut dire que c'est plutôt positif et qu'il y a des avancées. On verra tout cela après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Gustavo Gallon, l'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience. Avec nous, je vous le rappelle, l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme en Haïti, M. Gustavo Gallon. On a parlé au cours de la première partie de l'émission de la situation carcérale en Haïti, l'analphabétisme. Et là, parlons des élections. Un point, selon vous, en fait, sur lequel on a parlé, pour lequel on a évoqué, je dirais, un aspect positif de la situation des droits de l'homme, étant donné qu'il y a une femme. Est-ce que c'est le fait d'avoir une femme qu'on peut parler de progrès ? Ça aussi, mais pas seulement ça, mais oui. C'est-à-dire, on doit comprendre ça en termes relatifs, mais on est passé d'une situation de zéro femme à une femme. Alors c'est un progrès, c'est un progrès minimum, mais c'est un progrès. Il faut encourager à faire davantage de progrès. Et on a une femme au Sénat et on a trois femmes dans la Chambre. Ce n'est pas beaucoup par comparaison au reste des membres des corporations. Ce n'est pas beaucoup en comparaison non plus avec les autres pays qui ne sont pas très avancés non plus. Mais le cas d'Haïti, c'est préoccupant. Mais il faut apprécier le fait que on a amélioré un tout petit peu la situation. Et là aussi, grâce aussi au ministère de la Condition féminine, qui a pas mal développé des activités là-dessus, surtout pour supporter les femmes dans le contentieux des élections avec des avocats, etc. Pourquoi mettre les élections dans le paquet ou dans le panier ? Pourquoi ? Les élections. Dans le panier des droits de l'homme ? Oui. Parce qu'elles sont nécessaires pour avoir une gouvernance et un état de droit. Et on l'a vu ici de façon très claire, parce que des années 2010 à 2015, on n'a pas eu d'élections. Et on est arrivé, le pays est arrivé, à rester sans parlement et avoir une crise gouvernementale qui a obligé le gouvernement à l'époque, le gouvernement de M. Martelly, à nommer un nouveau gouvernement pour faire au dernier moment les élections l'année 2015, des élections qui ont été faites avec, qui ont montré beaucoup d'irrégularités au mois d'août et au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et après le premier tour de l'élection présidentielle, les élections de novembre 2015, a été contesté par beaucoup de secteurs de la population. Le président a dû nommer une commission pour réviser ce qui s'était passé. Et il est arrivé au 7 février 2016, la fin de la période présidentielle. Et il a dû passer le pouvoir à un président provisoire parce qu'on n'avait pas des élections. Et ce gouvernement provisoire a eu le mandat de mener à la fin les élections et il l'a fait. Et heureusement, on a procédé de cette façon parce qu'autrement, compte tenu de l'histoire du pays, ça aurait pu devenir dans une situation chaotique ou violente. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. Et heureusement, c'est pourquoi j'apprécie ce qui s'est passé avec les élections. Il y a eu un nouveau conseil électoral provisoire, il y a eu une activité particulière des autorités qui ont dû faire face même à l'ouragan Mathieu et ont dû transférer la date des élections
Mais à la fin, on a eu des résultats. Bien sûr, il y a des critiques là-dessus, il y a une faible participation, mais de toute façon, les autorités ont montré une transparence et une normalité acceptable dans ce qui s'est passé, et comme quoi on peut avoir maintenant des autorités élues et un nouveau président qui peut commencer une nouvelle période et continuer à stabiliser la nation. Ça, c'est un aspect important pour la jouissance des droits de l'homme de l'ensemble de la population. Autrement, s'il n'y a pas de gouvernance, ça aurait des conséquences dans les droits à la vie, les droits à la sécurité et des gens et à beaucoup d'autres droits. Mais donc, voyons, pour les viols du passé. Ça, c'est un quatrième aspect de recommandation que j'ai mentionné dans mes rapports et dans ces rapports celui-là. Haïti a une histoire de violation des droits humains du passé, depuis les années 60 jusqu'au début de ce siècle. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui s'est passé. Justice n'a pas été faite. Il n'y a pas eu de réparation là-dessus. C'est pourquoi je recommandais, basé sur une initiative de la commission de vérité créée en 1994, qui a recommandé créer une commission de vérité, justice et réparation pour les violations commises en 1991, basé sur cette recommandation-là, j'ai proposé de créer en effet cette commission, mais pour toutes les violations du passé, des années 60 jusqu'au début du 21e siècle, pour que les victimes puissent avoir le droit à la justice, à la réparation, à la vérité. Et pour que... Vous parlez des gouvernements qui se sont succédés en Haïti. Qui se sont succédés. Et sous ces régimes-là, il y aurait des violations systématiques des droits de l'homme de 1991, vous avez dit ? Non, 60. Ah, de 60. 1991, c'est la recommandation de la commission de 1994. Mm-hmm. Il y a eu une commission de 1994 qui a recommandé créer une commission de vérité et justice, notamment pour les crimes de 1991, du régime militaire. Mm-hmm. Alors ma proposition, c'est de le faire, mais de façon plus élargie. Mm-hmm. Et alors, de manière objective, M. Gallon, il y a eu des violations des droits de l'homme seulement sous le gouvernement militaire? Il y a eu... Vous parlez de... Non, je vous reprends, tout simplement. Vous avez dit... sous le gouvernement militaire, je cherche des réponses plutôt précises. Des années 60 en avant, c'est-à-dire le régime de François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, puis le régime militaire, puis il y a eu le gouvernement Aristide, et puis il y a eu une violence exercée par des partisans de l'ancien président Aristide, même quand il n'était pas dans le pays. Et puis, quand il est rentré, il y a eu aussi des cas de violence, de violations qui doivent être éclaircies. Donc, pour tous ces cas-là, vous pensez que les victimes ou les proches des victimes peuvent avoir justice? Oui, ils méritent d'avoir justice. OK. Maintenant, on a parlé des élections. Selon vous, il y a progrès? Maintenant, relatif, oui. Progrès relatif. Oui, vous l'avez expliqué, du fait qu'il y ait des femmes élues cette fois-ci, les choses tendent à se normaliser, pour vous répéter. Il y a eu d'autres progrès que je voudrais soulever, c'est pour les élections locales de janvier 2017, le Conseil électoral provisoire a été très ferme, a exigé aux listes d'inclure ou de faire attention à la prévision constitutionnelle de considérer 30% du quota féminin. Mmh. Et les listes qui n'ont pas rempli ce ont été rejetées. Et c'est important de le faire. On a commencé, c'est la première fois qu'on l'a fait. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à stimuler de cette façon et d'autres façons la participation féminine. Sommes-nous, M. Gallon, sur la bonne voie? Pourquoi je vous pose la question? C'est parce que
Et je ne vais pas essayer d'y répondre, mais on sait qu'on ne peut pas parler de progrès si l'on ne procède pas par comparaison. Et d'autant que, vous l'avez dit, vous êtes à votre quatrième rapport. Si l'on met de côté les élections, la situation carcérale, globalement, la situation est comment en Haïti, aujourd'hui, en 2017 ? Plus que d'être dans la bonne voie, vous êtes dans le pays, dans ce moment opportun pour prendre des mesures, et ces mesures urgentes pour attaquer ce problème-là et d'autres que je mentionne aussi, liés à d'autres facteurs. Et je crois qu'on a fait... c'est important de reconnaître qu'il y a beaucoup plus de sensibilité maintenant de la part des acteurs politiques quant à ces recommandations. Mais je crois que vous êtes dans un bon moment. Il y a un gouvernement qui commence, il y a un nouveau président qui commence. Et on va présenter au Parlement les énoncés d'une politique gouvernementale. Et on va préparer au mois de juin un budget. C'est le moment de considérer ces recommandations qui sont simples, qu'il faut que la volonté pour les mettre en œuvre, pour les considérer en ce moment. Maintenant que la situation est comme ça, la façon dont vous la présentez, les recommandations que vous allez produire concernent qui ? Les Nations Unies ou les autorités haïtiennes ? Les deux, parce qu'elles sont adressées au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui va les considérer et qui va, tenir compte de ces recommandations dans les dialogues que le Conseil a de façon permanente avec les autorités haïtiennes. Et aussi avec les autorités haïtiennes, je les ai transmis ces résumés de recommandations, ils vont connaître le rapport complet, et comme on le fait d'habitude. J'espère que ça va être considéré pour faire avancer la situation des droits de l'homme, pour avoir une amélioration dans la situation des droits de l'homme dans le pays. Il y a un auditeur qui voudrait vous demander ce que nous entendons par respect et violation des droits de l'homme. Quand il y a respect, quand il y a violation des droits de l'homme? Les violations des droits de l'homme sont référées à des attitudes de la part du gouvernement. Les droits de l'homme sont une revendication de la citoyenneté vis-à-vis des autorités de l'État. Quand il y a une attitude de la part du gouvernement ou des autorités de l'État, qui contribuent à réaliser des droits reconnus comme droits humains, c'est-à-dire des droits qu'aucun État ne peut pas méconnaître, ou qui, au contraire, quand il y a une violation, il y a des attitudes qui empêchent la réalisation ou même neutralisent la réalisation de ces droits. Quand une personne est tuée par des agents de l'État, quand une personne est privée de liberté de façon arbitraire, quand une personne... Et dans une prison, dans des conditions inhumaines, parce que même les prisonniers ont le droit à avoir une considération pour leur dignité, etc. La dénationalisation, est-ce une violation des droits de l'homme? La dénationalisation. Oui. Ça veut dire? Ça veut dire quand on vous enlève votre nationalité. Vous parlez de... personne haïtienne ailleurs, ou pour parler d'un pays qui est occupé, ou... Je pourrais vous répondre oui. Oui. Vous êtes sûr de ne pas comprendre la question, monsieur l'expert? Et je crois qu'il y a plusieurs interprétations là-dessus, mais si la dénationalisation veut dire priver une population de les droits à la nationalité, que ce soit de façon individuelle ou que ce soit de façon collective, je dirais oui. Oui. Ça existe. Le cas de la République dominicaine, est-ce que ça n'a pas interpellé les Nations Unies? Le cas de la République dominicaine, ça m'a interpellé à moi. Mon mandat ne couvre pas la République dominicaine. Alors je dois être très respectueux des limites de mon mandat. Mais même dans les limites de mon mandat,
j'ai constaté qu'il y a des personnes haïtiennes ou d'origine haïtienne en République dominicaine dont les droits ont des difficultés à se réaliser. Et il y a des gens dans une situation qui risque l'apatridie. Et il y a des gens même en situation d'apatridie qui sont rentrés dans le pays, qui sont nés en République dominicaine, qui n'ont pas la nationalité dominicaine, qui n'ont pas non plus la nationalité haïtienne. Et ça,